Bonjour, nous sommes le 1er mai 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos catholiques sur divers saints. Et je voudrais faire une vidéo sur Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, afin de bien préciser quels sont les repères, on pourrait dire, de la tradition catholique concernant ce grand saint, patron des familles, patron des travailleurs, et aussi patron des pères de famille. Et j'expliquerai pourquoi ces trois patronats lui sont attribués. Alors d'abord, précisons qu'il n'y a pas eu de dogme fixé par le magistère de l'Église sur Saint Joseph, mais plutôt une tradition commune aux catholiques et aux orthodoxes depuis le début de l'Église, non seulement à partir des textes qui sont dans les quatre évangiles, mais aussi qui s'est transmise oralement de père de l'Église, à partir des apôtres, en père de l'Église. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'il y a des petites traditions, on le verra tout à l'heure, comme par exemple celle toute nouvelle, et je crois qu'on ne peut pas garder de l'Immaculée Conception de Joseph, et de grandes traditions, comme celle qui affirme qu'il avait accepté de prendre Marie pour épouse, et qu'il jamais il ne l'aurait touché, et qu'il ne l'a jamais touché physiquement de fait. Alors d'abord, qui est Joseph? Eh bien, il est de la tribu de Judas. Ça, c'est clairement dit dans deux des évangiles à partir de la généalogie de Jésus. Donc la généalogie de Jésus s'arrête à Joseph, et elle passe par Judas, petit-fils, arrière-petit-fils d'Abraham, et par le roi David. Ce qui fait que Joseph se trouve être le père adoptif de Jésus de la tribu de Judas. C'est ce qui expliquera, d'ailleurs, que lors du recensement, eh bien, il se rendra à Bethléem, parce que c'est l'origine de son père, David, le roi de l'époque. Et c'est comme ça que Jésus naîtra à Bethléem. Marie, en ce qui la concerne, on pense qu'elle est de la tribu de Lévi, puisque sa cousine Élisabeth est mariée avec un prêtre du temple. Ce qui fait que Jésus, probablement, descend par sa mère, sa vraie mère biologique, de la tribu des prêtres d'Israël, tandis que par son père adoptif, Joseph, il descend de la tribu de David, comme l'avait annoncé la fameuse prophétie qui disait « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas le plus petit village des terres d'Israël, car de toi naîtra un sauveur qui fera paître mon peuple Israël. » On ne sait rien de l'enfance de Joseph, on ne sait rien avant que l'Évangile cite son nom pour dire qu'il était fiancé à une jeune fille appelée Marie. Les fiançailles à l'époque n'étaient pas tout à fait comme maintenant, mais tout de même elles ressemblaient, c'était plutôt une promesse de mariage. Et donc on ne vivait pas ensemble. La question s'est posée à un moment donné de savoir qui était ce Joseph qui acceptait de prendre une si jeune fille que la tradition disait avoir 14 ans, comme l'indique le pape Jean-Paul II qui célébra l'année sainte de la naissance de la Vierge Marie, 14 ans avant l'an 2000. L'Évangile parle nettement de frères et de sœurs de Jésus. Elle cite même leurs prénoms. Il y a Salomé qui est une sœur, elle porte un nom grec mais qui est une sœur de Jésus. Il y a Jacques. Il y a José, il y a aussi Jude et Simon. Eh bien, il y a une tradition qui dit qu'ils seraient les fils et la fille de Joseph à travers un premier mariage, et que Joseph, étant veuf, accepta de prendre Marie pour épouse, alors qu'elle l'avait approché en lui demandant la permission de rester consacrée, donc de faire un mariage blanc, tout simplement parce qu'à l'époque, la loi des Juifs obligeait les filles à se marier. Ce n'était pas un choix. Et Joseph avait accepté. Mais en fait, cette tradition ne peut pas être gardée. Parce que lorsqu'on lit avec précision les textes de l'Évangile, on a un moment le nom de la mère des frères de Jésus, mais aussi de leur père. En effet, au pied de la croix, il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, la mère de Jésus, et il y a une certaine Marie, qui est nommée comme femme de Clopas, et à un autre endroit
comme femme d'Alphée et qui a comme enfant eh bien, Jacques et José et Salomé. Ce texte se trouve dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19, verset 25, et on trouve aussi en Luc chapitre 6, verset 14. Cela indique qu'il y avait une Marie qui était la mère des frères de Jésus. Qui est cette Marie? Est-ce que c'est une cousine de la Vierge Marie? Est-ce que c'est une demi-sœur? Le nom de Marie était très commun à l'époque. En tout cas, clairement, il semblerait que elle n'est pas l'épouse de ce Joseph qui accepta de prendre Marie chez lui. Alors comment est-ce qu'on sait que Joseph accepta de prendre Marie pour épouse et de ne pas la toucher? Eh bien, ça se déduit très simplement du texte de l'Annonciation en Luc, chapitre 1, verset 34. Quand la Vierge Marie répond à l'ange qui vient de lui annoncer qu'elle sera mère du Sauveur. « Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. » Elle vient de se fiancer avec Joseph. Et donc, on a déduit de là que Marie, lorsqu'elle était jeune fille, alla au temple de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la fête de la présentation de Marie, et qu'elle fit un vœu à Dieu, un vœu de devenir religieuse, une sorte de vierge consacrée, un peu comme les Grecs le faisaient. Si Dieu le voulait, sous condition, et qu'elle accepterait de toute façon toutes les volontés de Dieu. Et on pense qu'elle trouva cet homme juste, appelé Joseph, qui accepta de la protéger et de ne pas la toucher. L'Écriture présente explicitement saint Joseph comme un homme juste. Et donc la question est de savoir ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire que Joseph était un homme juste? Je disais au début de cette vidéo que une tradition tout à fait récente a affirmé que c'était un saint, S-A-I-N-T, un saint du Nouveau Testament, et que même il avait bénéficié d'une grâce, comme la Vierge Marie, à savoir de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire d'une présence de Dieu dans son cœur, comme Adam et Ève, presque palpable, et tout juste inférieur à ce qu'on appelle la vision béatifique. Ce n'est tout de même pas la vision béatifique. Eh bien, je crois que cette tradition récente ne peut pas être conservée. Lorsqu'on regarde le texte de l'Évangile, on voit très nettement que Joseph est un juste selon ce qu'il peut, c'est-à-dire selon la loi de l'Ancien Testament. Mais la loi de l'Ancien Testament a son sommet. On peut tout à fait penser que sa justice n'est pas celle de Moïse, qui lui est au début de l'Ancien Testament, avant que les prophètes aient affiné le peuple. La justice de Moïse, lorsqu'il était vivant sur terre, elle est féroce, elle est terrible. Mais il y aura ensuite l'exil à Babylone, et il en sortira un peuple juif plus doux, plus interrogatif, au cœur brisé, se demandant quel est son destin. Ce ne sera pas non plus la sagesse des frères Maccabées, qui est une sagesse militaire, qui défie les Grecs qui ont conquis, au temps d'Alexandre le Grand, Israël, et qui leur font la guerre. Non, c'est sans doute une justice d'un Anaouim. Anaouim, une tradition dit que c'était des gens très peu nombreux en Israël qui, ayant lu les prophéties qui annonçaient le Messie, avaient trouvé celle qui annonçait un Messie humble de cœur, doux. Il n'éteindra pas la bougie qui fume encore. On ne verra pas chez lui de cris, de hurlements. Il sera doux, il sera humble de cœur. Et donc on pense que Joseph était de cette justice-là, qui est au sommet de l'Ancien Testament. Mais que tout de même, il ne pouvait pas soupçonner, à la différence de la Vierge Marie qui, elle, vivait de la présence de la Trinité dans son cœur, de par la grâce de Jésus qui lui était donnée par anticipation à la passion qui aurait lieu 45 ans plus tard. Eh bien, Joseph, lui, il vivait du sommet de l'Ancien Testament. C'est un homme juste. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, tout simplement en regardant sa réaction lorsque Marie, après la visitation auprès de sa cousine Élisabeth, chez qui elle resta 3 mois, revint enceinte et ne put rien dire. On devine que Marie ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait pas venir comme ça et dire à Joseph « Un ange m'est apparu ». Personne ne l'aurait cru. Certains ont dit « Mais Joseph, lui, l'a cru » parce qu'il savait qu'une vierge d'Israël enfanterait le Messie. Le problème, c'est que
il fallait que tout de même une preuve venant de Dieu. Et donc on voit bien dans le texte de l'évangile, très nettement marqué, que Joseph, il est surpris de voir cette grossesse de Marie. D'autant plus qu'il a promis de ne pas la toucher, qu'elle ne dit rien. Il est sans doute prêt à la croire. Mais comme elle ne dit rien, probablement, eh bien, il consulte la loi de Moïse. Et il voit qu'il a deux solutions. Il peut la dénoncer publiquement, c'est explicitement dit. Et ça, il ne s'y résout pas. Elle pourrait être lapidée. Autre solution, eh bien, c'est de la répudier en secret. Ça veut dire, en fait, de faire signifier, même si ce n'est pas dit, que l'enfant vient de lui, et de ne pas garder Marie avec lui, de la répudier, secrètement, sans faire de bruit, parce qu'il a trouvé, comme dit la loi de Moïse, en elle quelque chose qui ne lui plaît pas. Il s'était résolu à la répudier secrètement, et donc à assumer l'idée que les gens jaseraient et diraient que c'est lui le père. Quand l'ange, fort heureusement, lui apparut et lui dit « Ne crains pas de prendre Marie pour épouse, parce que l'enfant vient de l'Esprit-Saint. » Pourquoi peut-on dire que c'est une réaction d'un homme juste selon l'Ancien Testament ? Parce que lorsqu'on est confronté à la justice que donne le Nouveau Testament, eh bien, la réaction est très souvent différente. Et j'ai vu des cas comme ça de personnes. Par exemple, je me rappelle d'une personne qui faisait avec moi le catéchisme à Paris il y a peut-être 25 ans et qui m'avait raconté que la femme qu'il a épousée avait été enceinte de par son petit ami qui l'avait abandonnée et que lui avait non seulement assumé sa femme mais aussi son enfant et qu'il l'avait complètement adoptée. C'est quelque chose qui, on le voit, est porté par la sagesse de Jésus-Christ, à savoir le pardon, la miséricorde, l'attention aux autres, le respect d'une jeune femme qui sincèrement a agi et qui a fait une bêtise de jeunesse. Je pense que dans l'Ancien Testament, la virginité était exaltée et que cette justice-là était rare, beaucoup plus rare. Elle n'était peut-être pas impossible, puisqu'on voit un prophète qui reçoit l'ordre de Dieu d'épouser une prostituée. Mais tout de même, ce qui est devenu évident dans le Nouveau Testament en voyant l'attitude de Jésus par rapport à la femme prise en flagrant délit d'adultère n'était pas si évident à l'époque de Joseph. Il n'empêche que il est au sommet de la justice que donne la loi de Moïse. Eh bien, c'est accompagné de cette justice-là et sans encore connaître le message de son fils adoptif Jésus qu'il donnera après sa mort, que Joseph va assumer son rôle de père adoptif de la meilleure façon possible, ce qui explique que maintenant, là où il est au ciel, où il est devenu saint, et je raconterai comment tout à l'heure, il a trois patronages. Et d'abord, il est le patron des familles, pour une raison très simple. Après la naissance de Jésus, il est averti par les mages que, eh bien, ils veulent tuer l'enfant. Il est averti aussi par l'ange. Et donc, il prend tout en main. Il prend tous les soucis matériels de sa famille et il part vers l'Égypte, où il cache sa famille pendant 2 ans. On peut imaginer les soucis qu'il a eus. Donc, il sait ce que c'est qu'un père de famille. Les pères de famille sont partout les mêmes. Ce qui fait l'amour d'un père de famille, sa fierté, son honneur, c'est d'assurer la sécurité matérielle de sa famille. Je dirais même que c'est d'instinct et que la plus grande souffrance d'un père de famille, c'est quand il n'y arrive pas, parce que par exemple il est au chômage ou parce qu'il ne peut pas travailler. On sait que les femmes travaillent aussi à l'heure actuelle et qu'elles ont toujours travaillé, mais chez l'homme, c'est ce qui structure sa fierté, sa nature humaine. On peut dire que le plus grand souci d'un homme, c'est quand il ne peut plus assurer cette sécurité. Et que le plus grand souci d'une femme, c'est quand un enfant lui est enlevé. Il y a donc des traits psychologiques différents. Alors c'est pas aussi net que ça, je le sais bien, mais il n'empêche que Joseph est un père de famille. Et donc, il comprend ce que c'est que porter une famille. En outre, il est le patron des pères de famille, parce qu'il l'a été. Et il l'a été douloureusement, par exemple, lorsque Jésus a eu 12 ans. Il est allé avec Marie, sa femme, et avec Jésus à Jérusalem au temple. Et puis, il pensait qu'il était avec les autres enfants,
Et quand ils sont repartis de la fête de la Pâque, eh bien, ils ont marché quelques jours sans chercher Jésus qui était avec les autres enfants et se rendant compte à un moment donné qu'il n'était pas là. Et tout paniqué, ils revinrent au temple de Jérusalem où ils le trouvèrent au bout de 3 jours, qui était avec les docteurs du temple et qui écoutaient leur enseignement. Il sait ce que c'est que l'inquiétude d'avoir perdu un enfant. Il est donc le patron des pères de famille dont un enfant a fugué, dont un enfant a pu être enlevé. Il sait ce que c'est que ce souci. Et donc il faut l'invoquer quand une chose comme ça arrive. La Vierge Marie d'ailleurs prend la parole devant son fils et dit « Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions inquiets. » Ce mot signifie tout ce qu'il a pu vivre. Et donc, là où il est, dans le ciel, il sait parfaitement le souci que peut être pour un papa le fait de ne pas retrouver son enfant. Ce patronage de Saint Joseph, patron des familles, patron des pères de famille, c'est le 19 mars qu'il est fêté. Mais il y a un autre patronage. Il est le patron des travailleurs, de ceux qui travaillent de leurs mains. Et donc, très souvent, parce que les hommes sont structurés par cela, des hommes travailleurs. On sait qu'il a été charpentier. Il a gagné le pain de sa famille avec son métier. Et donc, lorsqu'on subit un risque de licenciement, un risque au travail, de perte de son travail, un harcèlement, eh bien, je pense que c'est Saint Joseph qu'il faut prier. Parce que là où il est au ciel, il sait parfaitement ce que c'est que vivre cela. Il comprend les pères de famille, les ouvriers, les travailleurs qui travaillent pour leur famille. Et donc, il peut efficacement intercéder pour eux afin que l'épreuve se fasse plus douce ou qu'au moins l'angoisse ne soit pas là si forte. Alors, on ne sait rien de la mort de Joseph. Il disparaît de l'écriture après l'âge de 12 ans. On sait que Jésus restera jusqu'à 30 ans à la maison, humblement soumis à ses parents. À un moment donné, il est mort, très probablement. Et donc, on peut reconstituer, par contre, comment de juste, selon l'Ancien Testament, il est devenu, dans le passage de sa mort, saint, un saint chrétien, disciple de son fils, dont il n'avait pas entendu le message. Il a sans doute suivi le chemin de tous les hommes de l'Ancien Testament. Dans le passage de la mort, lui est apparu l'ange de son fils, Jésus, qui lui a annoncé l'évangile que Jésus allait prêcher et ce qu'il allait faire. Et Joseph, immédiatement, en constatant la merveille de ce message qu'il ne pouvait pas deviner tant il était unique, imaginait que Dieu puisse se faire homme mais mourir sur la croix pour élever l'homme au point d'en faire son collaborateur, son ami, de l'élever au-dessus de lui, de lui donner ses pouvoirs au ciel pour qu'il aide les hommes de la terre. C'est quelque chose d'inouï. Comment le seul médiateur, Jésus-Christ, fait de nous des médiateurs? Eh bien, Joseph a adhéré à ce message-là. Et donc, il est devenu, dès le moment de sa mort, et bien avant la passion de Jésus, un saint du Nouveau Testament. Il a rejoint Abraham dans le séjour provisoire qu'on appelait le saint d'Abraham, que Jésus raconte dans l'Évangile, là où était le pauvre, alors que Lazare était au purgatoire. Et il a attendu, dans le bonheur, comblé de la grâce de ce Dieu qui allait bientôt venir le chercher. Le vendredi saint, à 15h, lorsque Jésus est mort sur la croix, son âme est descendue dans ce séjour. Et là, quelles embrassades, quelles retrouvailles immédiates, complètes avec Jésus. Il l'a vu de ses yeux et il a vu son fils portant les stigmates de sa passion, le cœur brisé. Et ce Jésus qui comprenait tout ce que lui avait porté comme souci. D'ailleurs, n'est-ce pas ce Jésus qui l'avait préparé en disparaissant pendant les 3 jours, alors qu'il était dans le temple de Jérusalem, de même qu'il disparut pendant ces 3 jours de sa mort. Mais il était auprès de Joseph. Et ce jour-là, Joseph entra dans la vision béatifique. Ça veut dire que non seulement il vit son fils dans son humanité douloureuse apparaître dans le sein d'Abraham, mais il vit sa divinité face à face et avec lui le Père et le Saint-Esprit. Ce jour-là, il est entré, en même temps que le bon larron, dans la vision béatifique. Qu'est-ce que fait Joseph donc depuis ce vendredi saint du mois de Nissan de l'an 33?
Eh bien, Joseph passe son temps à nous aider sur terre, selon sa grâce particulière de père de famille, ayant vécu tous les soucis et les ayant bien vécus. Ça veut dire qu'il aide particulièrement les pères de famille, les familles, tout entière, tout le souci qu'il y a pour élever des enfants. Et il le fait très concrètement. Alors on pourrait dire, avec les protestants, ce n'est pas possible. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Joseph ne peut pas être quelqu'un qui aide concrètement. D'ailleurs, il est mort. Il n'a pas récupéré son corps. Du moins, la tradition de l'Église ne dit rien sur cela. On sait que le jour de la mort de Jésus, les gens virent certains prophètes qui ressuscitèrent. Ils apparurent à plusieurs. C'est textuellement marqué dans un des trois évangiles synoptiques. Est-ce que parmi eux, il y avait Joseph ? Une certaine tradition le dit, mais une petite tradition, pas une grande tradition de l'Église catholique. Donc quelque chose de plutôt récent. Toujours est-il que peu importe qu'il ait récupéré son corps, ressuscité ce jour-là ou pas, de toute façon, il passe son temps à nous aider. Comment expliquer cela ? Eh bien parce que le seul médiateur, Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, sa médiation consiste à faire de nous un royaume de prêtres, donc de médiateurs. Sa gloire à Jésus, ce qui fait qu'il est le plus grand au ciel, lui, Dieu, c'est que justement, il est le plus petit. Il l'a dit, le plus grand d'entre vous sera le plus petit. Et le plus grand, c'est Dieu. Donc il se fait le plus petit. Il le dit textuellement, si quelqu'un m'aime, je l'élèverai. Il fera des œuvres plus grandes que moi, à vous en stupéfier. Eh bien, la gloire du seul Rédempteur Jésus consiste à avoir élevé Saint Joseph en particulier, mais aussi les anges et les saints, et la Vierge Marie, au-dessus de lui. Alors qu'ils sont tout petits, ce ne sont que des personnes humaines. Et de leur avoir donné tous les trésors de son cœur à disposition, si bien que quand Joseph demande quelque chose, quoi que ce soit, à son fils, je dirais qu'à la rigueur, il n'a même pas besoin de le demander. Il puise, il a toute confiance et il donne aux personnes de la terre. Voilà pourquoi les catholiques et les orthodoxes, donc les deux églises fondées par les apôtres, prient Saint Joseph, mais aussi les saints et les anges, et au-dessus de tous les saints, la Vierge Marie, parce que sa sainteté à elle, son abaissement, son amour sont absolument inimaginables. Donc, l'honneur, la gloire du seul médiateur Jésus, c'est justement d'avoir créé un peuple au ciel de médiateurs qui agissent avec lui. Et ce n'est pas du tout enlever de l'honneur à Jésus, qui est Dieu, le seul Dieu, que de vénérer comme son père et sa mère pour avoir une longue vie, Joseph et Marie, bien au contraire. Le culte rendu à Joseph et à Marie ne sont pas un culte d'adoration, ce n'est pas un culte de latrie. C'est ce qu'on appelait dans le temps en latin un culte de dulie. En fait, il se réfère au commandement, dans les 10 commandements, « Tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie. » Comme Jésus, le seul père, la seule mère de nos âmes, les a instaurés père et mère, eh bien on peut les honorer comme tels, parce qu'ils portent nos âmes vers le salut éternel.